Sociaux de Wallonie ne suffisent plus. Des personnes en manque de logement ont manifesté à Charleroi. Certains attendent un logement depuis plusieurs années. L'un des défis du gouvernement wallon est de résoudre le problème du logement en Wallonie. On y compte 101 000 logements sociaux, mais ce n'est pas suffisant. Certaines familles sont en attente d'un tel logement, parfois depuis plusieurs années. Et c'est pour dénoncer la situation qu'une centaine de personnes ont défilé symboliquement en pyjama aujourd'hui dans les rues de Charleroi. Ludovic Delory, Xavier Préat. Le logement est un droit, un droit. Paula, 67 ans, a choisi de marcher aujourd'hui. Elle fait partie de cette population de sans logis fixe, mais elle reconnaît qu'elle a encore de la chance, car il y a 20 ans, elle vivait dans la rue. Et c'est pas marrant tous les jours. Et j'ai encore eu de la chance, c'était au temps où il y avait des pommes. Je pouvais encore manger ça. Autrement, c'est pas... Il n'y avait pas de restaurant du cœur comme il y a maintenant. C'est pas gai du tout, du tout, du tout. Il fait froid, il fait... c'est pas gai. À la mort de son époux, Paula hérite de ses dettes. Aujourd'hui, elle vit chez sa fille et ses trois enfants. Si c'est pour aller dormir sur les bancs publics, à la merci de tous les grands bandits, c'est pas une sécurité non plus. Nous ne sommes pas des animaux. Eux, ils ont encore une étable. Nous, on n'a rien. Georgette a eu plus de chance. Elle a trouvé un logement social après six longues années de démarches, mais ce fut au prix de conditions pénibles. Dans un cote, malheureusement avec des cafards. Et quelquefois l'électricité sur la douche. Donc c'est pas bien. Hein. Des milliers de personnes en attente sur les listes des sociétés de logements sociaux. Le marché public ne parvient plus à faire face à l'augmentation de la demande. Une file symbolique se crée devant le siège de la Société Wallonne du Logement. En Europe, il y a 4,1 millions de sans-abri. Et en face de ça, il y a 11 millions de logements disponibles. Donc c'est pas un problème de manque de logements parce qu'il n'y en a pas, c'est surtout un problème d'affectation de logements, je pense, et en même temps de pouvoir mettre des logements adaptés aux personnes, à des prix modiques. Loin du tintamarre des associations, Pierre fait la manche sur le parvis de l'église Saint-Antoine. Sans famille, sans travail, sans amis, il ne compte même plus sur le soutien des associations. Ça prend les trois quarts de... notre CPS, ça donne 15 euros par semaine d'argent de poche, un paquet de tabac et le reste, ben, on doit se débrouiller. Quoi. Polochons et pyjamas face à la machine administrative. La Wallonie compte plus de 100 000 logements publics, insuffisant pour ces manifestants qui rêvent d'un minimum de 20% de logements sociaux par commune.